Donc les vins Georges Dubœuf, c'est une société qui a été fondée en 1964 par son fondateur, donc Georges Dubœuf. Nous sommes situés à Romanèche-Thorin, qui est une commune à l'extrême sud de la région Bourgogne-Franche-Comté, au cœur de la région Beaujolais. Nous sommes une société qui aujourd'hui exporte ses vins dans plus de 110 pays. Et donc, ces deux premiers marchés, les USA et le Canada, sont pour nous d'un intérêt fondamental. Ce sont des marchés qui se développent très très vite, avec un changement des règles, un changement des tendances, qui se réalise de façon très 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 dynamique. Et donc, il était fondamental pour nous d'avoir une présence sur place pour comprendre l'évolution de ces tendances. L'ensemble des VIE qui ont travaillé pour notre société sont ce qu'on appelle des brand ambassadors. C'est un rôle qui est fondamental. C'est un rôle de représentation, à la fois commerciale, mais aussi en termes de relations publiques, relations presse. C'est un véritable vecteur, un véritable relais de communication des valeurs de la société et de sa politique commerciale. Le rôle du VIE pour nous, c'est d'abord un rôle de terrain qui va permettre d'aller chercher des relais de croissance sur des catégories de clients où aujourd'hui nous ne sommes pas performants. Donc en ce sens-là, oui, c'est un vrai vecteur de croissance. À côté de ça, ça nous permet aussi d'avoir ici, à notre siège de Romanèche, une vision beaucoup plus précise, une expertise sur des marchés ou des marchés à l'intérieur de ces deux marchés que sont les États-Unis et le Canada. Par exemple, nous avons mis en place cette année une VIE sur l'Ontario, sur Toronto, pour avoir une connaissance et des rapports de terrain plus précis. En ça, le VIE a vraiment un rôle stratégique puisqu'il représente les yeux de la société sur des marchés qui nous paraissent des marchés à fort potentiel. Nous sommes très satisfaits des VIE que nous avons eus sur place. À la fois pour nous, mais même pour eux, on a pu voir que ça a été un formidable facteur d'évolution professionnelle. Et pour nous, ça a été vraiment la possibilité d'acquérir des informations terrain beaucoup plus précises et de façon beaucoup plus régulière que ce qu'on a l'opportunité de l'avoir par l'intermédiaire de nos partenaires. Parce qu'on avait quelqu'un qui était dédié à la maison, dédié à ce travail-là, au quotidien, sur place.